Salut tout le monde, hein, Pierre Leroux ici. Je voulais juste faire notre petite vidéo de suivi sur la réunion du conseil de lundi soir. Juste mentionner une couple de sujets qui ont été discutés. Un, c'était le calendrier des réunions du budget. Juste pour que le public sache, le 5 décembre, on va avoir une réunion publique pour que les gens puissent venir nous jaser et nous dire qu'est-ce qu'ils autres aimeraient voir dans le budget de l'année prochaine. Les discussions budgétaires vont arriver au mois de janvier-février. Comparativement, normalement, ça serait cet ainsi de l'année, mais c'est reculé un petit peu à cause des élections de cette année. D'autres rapports, c'était des rapports financiers, rapports des dépenses au-delà de 25 000, rapports d'octroi, puis rapports financiers pour la troisième période de l'année. À part de ça, il y avait que je pense que le public serait très intéressé, c'est la politique de modération de la circulation. Alors, essentiellement, souvent, puis spécialement durant la campagne, quand on jasait avec beaucoup de monde, on a entendu beaucoup de plaintes pour les problèmes de trafic ou la vitesse, ces choses-là. Alors, ça fait un petit bout de temps que l'administration travaille sur cette politique. Alors, ça va établir les étapes que les gens du public, les résidents peuvent prendre pour essayer d'améliorer le trafic dans leur petit coin de la municipalité. Alors, ça, c'est bien établi à cette heure. Ça va être présenté, ça va être disponible bientôt. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez tout le temps aller sur notre site web pour voir plus d'informations. Puis, le dernier sujet que je voulais juste mentionner, c'était le bulletin annuel 2018. Alors, j'aimerais remercier tous les membres du public qui prennent le temps de remplir le questionnaire que la municipalité met en place. C'est beaucoup d'informations qui aident l'administration puis le conseil à être capable de faire des décisions puis de digérer la façon dans quelle direction qu'on va aller. Alors, le feedback, c'est tout le temps très important puis on apprécie que vous nous donnez ça. Essentiellement, c'était ça. Si vous avez des questions, vous pouvez regarder en archive le webcast live ou tu peux aller sur le site web, envoyer des courriels. On est tout le temps là pour la communication. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.